Formation dans le journal ça, 29e réunion conférence chef d'État gouvernement CARICOM lancé matin dans Port-au-Prince. Secrétaire général président sortant avec nouveau président CARICOM l'anté intervenu dans occasion. Plusieurs thématiques à aborder dans cadre sommet ça, kabout demain mardi, 14 délégations pays membres CARICOM a participé dans discussion yo cap chita sous environnement, libre circulation moun, bien ak service et puis sécurité dans région. Président de la République, là, Jovenel Moïse, accompagné Premier ministre Lange, Jacques Villafontan, l'ouvre circulation à passagers, dans route qui sortit ville au camp pour arriver Labadi. Cérémonie d'inauguration, ça a déroulé samedi 24 février passé, dans la section communale Banque du Nord, où tout neuf ça fait grâce à financement Banque mondiale, rentré dans le cadre vision président Jovenel Moïse pour favoriser développement touristique et puis créer conditions pour plus de monde venir visiter Haïti. Et spécialement site touristique Labadia, une zone qui attire plus visiteurs en Haïti. Nous invitons à suivre un reportage Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Sorti ville au cap pour arriver dans la station balnéaire Labadia, route ça entièrement asphaltée sous environ 8.4 km. C'est un parcours qui déjà tracé et puis panneaux signalisation yo installé. Route ça c'est un projet l'État haïtien Banque mondiale financé pour une valeur 8 millions de dollars. Sénateur Noah Dieudonne Luma Etienne dit à partir j'ai fait ça qui fait dans grand pour recevoir plus touristes qui sortent tout partout dans le monde là et spécialement pays qui prennent yo. Par rapport à tout ce que nous avons comme potentialité, je dis que le Nord doit pouvoir bénéficier de ces opportunités. Nous avons le site de Labadi qui génère beaucoup d'argent. Alors que nous avons les gens du village de Labadi qui sont en piteux état. C'est l'occasion pour moi de saluer toute la délégation de l'international, particulièrement les gens de la Banque mondiale, qui ont vu le potentiel et qui nous ont accompagnés. Je profite aujourd'hui pour garantir à la population du Nord qu'avec cette équipe, le Parlement à côté du pouvoir, du gouvernement que dirige le président Jovenel Moïse et son premier ministre Jacques Villafontan, je vous dis que bientôt, il faut que les touristes tournent dans le département Nord. Très bientôt. Très bientôt. Au mois d'avril, en plus de l'American Airlines, nous recevrons le Spirit Airlines au Cap Haïtien. Et l'aéroport du Cap bientôt doit être un aéroport en bonne et due forme. De ville au Cap étant, yon visiteur besoin traverser plusieurs localités avant d'arriver sur le site touristique Labadia. Moun kap viv dans zone sa yo pas caché satisfaction yo. On capable dire c'est un bel bagage à pied pour tout le monde qui habite dans zone là. Moi même moi vivre en salon tourisme, j'ai 5 personnes dans zone là, moi j'ai madame dans zone là et puis moi c'est mon zone là encore. Alors me fier des zones là, me remercier en pile tout l'autre monde qui partage qui met ensemble qui fait route là. So ce qui ça amène il y a plein monde pauvre dans zone là. Dame qui saute là-bas du descend et puis pour ti m'aller remettre marchandises yo. Au bar artisanal surtout tout là juste pour qu'a une façon pour chercher la vie. Bon, faut me dire avant route là bagay pas de bon même. Mais dans moment faut me dire gain bon amélioration faite, vous comprenez? Et nous allons sous fa poussière là bout tout ça la pluie. Ça dit dans moment sauf que ou connait zone dans son zone touristique, so nous ta vle gain plus belle bagay qui fait sur route là toujours pour l'état penser parce que nous gon belle zone. Infrastructure routière, c'est une des principales priorités président républicain Jovenel Moïse pour 5 années mandat sous pouvoir. Chef l'État a expliqué, c'est dans tout pays qu'il prend engagement pour construire ni route nationale, ni route qui connecte section communale. Yo. Moi, dis ma asphalte 4000 km de route avec qui je m'appelle. Avec l'argent, ça veut dire l'argent, c'est de côté les autres. Les autres, dans la taxe avec impôt que nous payons, les autres, dans Zanmi nou yo nan international la ki ban nou aide. Et ben jodi a lenn met deux cops ça ensemble, c'est pour vinn travay pour vous. Pour vous peuple la fois vinn travay pour vous. Et c'est ça, c'est décision ça me prend. C'est ça que fait m'a veiller en haut, m'a veiller en bas. Me connais que tout gouvernement, premier ministre là la, k'ap font gros travail. Toute équipe yo ministre yo là k'ap font gros travail pour que pays ça nous avons retiré l'ensalier
pour que Haïti, j'en ai toujours dit que Haïti, c'était Pelle des Antilles là, pour nous tourner, jouer une fierté nous, Jean Sénateur Dieu donne ce deal, pour nous faire département ça, vine en destination touristique, faut nous faire rénovation dans la ville Cap-Haïtien, pour nous faire ville Cap-Haïtien, une ville historique, qui là pour recevoir touristes. Faut nous déplacer ma chérie 10 là. Faut nous déplacer ma chérie 3. Faut nous construire boulevard au Cap là. Faut nous mettre courant 24 sur 24 dans la ville au Cap. Dans l'occasion de l'inauguration route ville au Cap la Badia, chef l'État a été avec lui, y a une délégation Bahamas qui conduit par le premier ministre Bahamas là, Hubert Alexander ministre. Li te gen avec li tout, premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine, plusieurs ministres dans le gouvernement et puis un groupe parlementaire 50e législature. Président public là, Jovenel Moïse, dans tête collée avec ministère touriste, rencontré week-end passé à opérateur touristique Noyo. Gade possibilité pour renforcer présence Haïti sous cadre touristique mondial là, t'es dans mi-temps discussion sa yo. N'invite au suivi reportage Sabine Jean-Etienne avec Jean-Naël Duvernay. Rencontre ça a visé faire échange à coopérateurs touristiques sous potentialité département Nord dans question industrie touriste là. C'est un débat qui m'a des collaborations acteurs d'après ministre touriste là Jessie Menos qui pensait au Cap sous un bon voie dans niveau ça. Le 19 novembre de l'année dernière, on a rencontré secteur touristique au Cap là et on a parlé de tout projet que le président républicain, son excellence monsieur Jovenel Moïse, peut bien pour zone Nord là, parce que étant un fils de la zone. Et il va faire des travaux, il a commencé aujourd'hui, on a inauguré Route Labadie, hein, et il a encore beaucoup de projets dont il aimerait vous partager avec vous. Et même on connaît trop, parce que le cabinet a été fait demande notre décision de nous rencontrer avec le secteur touristique, hein, parce que des en pile. Et président Jovenel Moïse renouvelé support administration là à toute démarche qu'a fait touriste rentrer dans pays a. Chef l'État fait remarquer Cap Haïtien pas seulement besoin en pile hôtel mais chambre doit répondre à standard international yo. Ouais, on prend développement dans les départements là. Aéroport, route et proximité avec les États-Unis. Proximité avec États-Unis, proximité avec Bahamas, et site touristique, citadelle La Ferrière, tout le monde besoin de visiter citadelle. C'est maintenant, c'est tout seul problème pour y aller. Problème de notre salaire. Est-ce qu'on nous comprend que l'invité, par exemple, Premier ministre Bahamas en 2020, pour inaugurer téléphérique citadelle là, ou à combien de notre délégation est venue? En 2020, ou à combien de monde l'a fini? Je vais inviter un pilote président dans le monde pour venir à citadelle. Nous avons même un capitaine noir. Tout pays a mal venu. Non, comment on va le recevoir? Qui ça a fait nous-mêmes? Pour nous mettre tête, nous parler. Mon dit l'hôtel qui l'a eu, mon dit le restaurant. Qui ça a fait? Mon dit la production, qui ça a fait? C'est ça que je dis nous. Je dis nous que le Cap Haïtien, ville historiquement, nous allons travailler pour nous remettre la ville sous pied. Ça veut dire pour nous faire des adages. Dans le littoral là, pour nous revisiter le système de drainage, marcher le 10 pour nous lever, marcher le 3 pour nous lever, pour nous faire boulevard jusqu'à l'aéroport, pour nous construire un point sur l'aéroport, pour un bel boulevard, un bord de mer qui est bien fait, pour nous lever centrale électrique, c'est pas possible, nous ramener une centrale électrique sur un boulevard, pour nous lever, pour nous mettre de l'autre côté. Courant 24 sur 24 là, pour nous courir 24 sur 24 dans le camp. Citadelle qui va bien téléphérique sous lui. Bois-Caïman a travaillé sur le projet pour nous faire Bois-Caïman pour une zone côté monde touriste à visiter. C'est ce type de verre qui vous parle pour recevoir du bas. Labadie, par exemple, recevoir environ 700 000 touristes chaque année. Alors que Bahamas, qui n'est pas trop loin nous, recevoir environ 7 millions de touristes par an. En pile travail était pour faire toujours dans la ville touristique Cap-Haïtien, qui gagne seulement 250 chambres d'hôtel qui répondent à standard international là. Merci Sabine ak Jean-Naël. L'autre dossier dans le journal ça, la police mettait en bas-code week-end passé à 8 individus dans Pétionville. Pendant l'opération ça, la police saisit plusieurs armes avec l'argent.
responsable direction départementale l'Ouest PNH Lan à commissaire Pétionville là pour expliquer circonstances opération menée. Commissaire Berson Soljour à commissaire Gospel Monelus dans le micro TNH. Nous gain dans commissariat Port-au-Prince sous commissariat cafétéria qui côté que le 21 février 2018 gain Castillon Evans qui gagne un camion, il saute prend marchandise la douane et un ensemble de braqueurs qui détournent et ils prennent tout produit, ils abandonné véhicule ça sous piste. Donc toute équipe était mobilisée pour nous chercher machine et produit ça. Dans ce ça c'est dans matin 22 février la police BICAF brigade d'intervention CAF a arrêté Sénor André, un chauffeur, à bord de un Toyota Tacoma immatriculé AA43340 de couleur rouge qui était gain à bord li un ensemble de produits cosmétiques qui identique à ça dans ça qui était détourné dans camion. Donc il est arrêté actuellement, il a répondre question enquêteur dans commissariat Port-au-Prince. De même, équipe enquêteur té mené sous piste ou deux individus à bord de motocyclette. Ils ont pris, ils ont suivi, et chauffeur moto ça, ils ont échangé de coups de tir avec policiers. Donc ils ont abandonné moto, il y a un ado qui est blessé. Donc actuellement on a cherché dans l'hôpital que lié, mais à bord de motocyclette ça, nous jouons un sac qui gagne encore produits volés. Et dans le commissariat Pétionville, nous sommes de cas d'arrestation qui fait, donc principal, nous avons Mounio là et matériel qui saisit. Je vais quitter le soin à commissaire principal Gospel dans Pétionville qui est capable de nous beaucoup plus de détails. Mais il faut que nous disions, conformément à l'instruction, au commandement des directeurs généraux là, donc toute unité, toute police mobilisée pour que nous garantissions la sécurité de la population. Équipe SDPJ, enquêteur dans le commissariat, comme je dis dans discours d'installation, actuellement, c'est le recrutement qu'a fait toute équipe a renforcé pour nous arriver vraiment à garantir la sécurité de la population. Nous avons information que y a des individus qui ont fait trafic de stupéfiants et qui ont abattu une machine qui était dans une zone lieu où Ouigoulard. Tout de suite, nous avons envoyé un groupe enquêteur sur les lieux et nous avons identifié et nous avons envoyé beaucoup d'opérations. Les nous arrivons dans une machine, lui-même, porte les ouvrir, monsieur a fait musique, nous joignons, ils ont 38 la dernière, mais ça nous 38 ça nous joignons la dernière, et même moment, nous demandons tout le monde qui était là pour qui est-ce, Zamna, personne ne va dire pas pour eux, pas les gens qui identifient, et c'est dans ce moment ça que monsieur qui relait Joseph Rodney, lui-même, nous voyons les padères et puis deux messieurs, deux lettres avec baril. Les barils, monsieur, tout le diable dit monsieur avancé, monsieur pas avancé. Pourtant, monsieur a gagné 9 mm ça, qui était en bas d'air. Et monsieur a fait en bas d'air. Il a une façon pour le fourrer 9 mm là, pour le camper, pour le capable dissiper les âmes pour nous pas. C'est dans le moment où la police a appréhendé monsieur et les a appréhendé en deux machines, nous joignons stupéfiants à eux. Et là, nous arrivons dans la base là avec Rodney. Il faut me dire que monsieur a deux identités. Monsieur est Joseph Rodney Sosa. Ou après Sosa, il relé. Monsieur est Joseph James. Et monsieur a deux identités. Et nous avons pris un délit avec près de 7 autres personnes qui sont ensemble avec lui. Parce que tout le monde a été ensemble. L'un a fait intervention. Et nous venons avec eux et nous arrivons dans la base là, dans fouillé, au dîner, nous joignons l'argent, toute l'argent ça reçu, monsieur. Ministre intérieur, collectivité territoriale là, saluer GFOR PNH là, fait pour couper action bandits dans le pays. Docteur Max Rodolphe Saint-Albin souligné, gouvernement a continué le travail pour renforcer PNH là. Nous invitons à suivre un bout de notre déclaration. Bon signal clair qui lancé. Encore une fois, c'est une opportunité que nous avons là pour me dire bravo à la police nationale. Là. Nous connaissons que malgré conditions difficiles, qui font un gros travail
bravo à DDO, bravo à commissaire Pétionville là. Ou après que d'une seule voix, l'État bon signal fort que l'a voyé depuis quelques jours. Bravo, bravo, bravo. Zéro tolérance, deal et no deal. C'est credo ça que n'a gagné net face à tout le monde, à tout bandit qui voulait faire ça que passe à notre pays. Responsable Fédération Nationale Magistrat d'Haïti organisé une rencontre à tout magistrat membre fédération vendredi 23 février dans Pétionville. Dans cadre chita parler ça, représentant 140 administrations communales discuté sous difficulté à faire face dans commune yo, présenter projet au gagnant et puis prendre ensemble une résolution. Dans résolution ça, magistrat yo mandé gouvernement central là pour faciliter commune yo bénéficier fonds gestion collectivité territoriale yo qui bloqué depuis quelque temps dans ministère planification à coopération externe selon précision magistrat yo. Nous invitons à suivre yon extrait. Nous, les maires de la République réunis à l'extraordinaire à l'hôtel Caribé ce vendredi 23 février 2018 à l'effet de décider de l'avenir des collectivités territoriales, des municipalités spécifiquement en vue du renforcement de la gouvernance locale, de l'effectivité de la décentralisation, de l'amélioration des conditions de fonctionnement des mairies pour mieux répondre aux attentes des populations des différentes communes d'Haïti, avons pris les résolutions suivantes. Considérant que le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleurant, crée une situation conflictuelle entre les CASEC, les maires et les parlementaires, rendant ainsi dysfonctionnelles les collectivités territoriales en octroyant aux parlementaires les fonds communaux. Tous les maires de la République exigent 1. Le départ du ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleurant, du gouvernement avant le lundi 5 mars 2018. Ce, pour une meilleure harmonie entre le pouvoir central et les collectivités territoriales. Dans le cas contraire, nous prendrons toutes les dispositions qui s'imposent. Et ce, sans exclure la fermeture des portes de toute la mairie de la République. 2. Le virement immédiat sur le compte des mairies des 5 mois de retard d'allocation. L'Assemblée des maires demande au Conseil exécutif de la FENAM de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de s'assurer du respect de cette résolution. L'autre nouvelle, encore intervention maintien l'ordre, 6 mots, célébré vendredi 23 février, 22e anniversaire existence li. Dans l'occasion, responsable organisé yon cérémonie, côté yon fait chanter yon messe action grâce dans local yon, en présence, président République la Jovenel Moïse, premier ministre Jacques Guy Lafontaine, à commandant en chef PNH la, à plusieurs autres personnalités. Yon reportage d'Aline Dorival a présenté nous. Simo célébré 22e anniversaire depuis yo existé en dans la police là. Cérémonie ça déroulé dans local unité a. Côté monseigneur Wildo Pierre chanté yon messe action de grâce pour remercier bon Dieu en présence président République là Jovenel Moïse, premier ministre Jacques Guy Lafontaine, directeur général la police là Michel-Ange Deyon ak plusieurs parlementaires. Responsable corps intervention maintien d'ordre là Chérubin Vladimir rappeler mission yo c'est protéger et servir population an. Li encourager au commandement police nationale là pour continuer encadrer unité ça dans l'idée pour bay plus rendement. Après sa création en février 1996, il lui manquait ce bras solide pour s'imposer sur le terrain. Voilà donc comment le corps d'intervention et de maintien de l'ordre a été porté sur les fonts baptismaux un an plus tard. Et on a fait nos premiers pas sur le terrain le 14 février 1996. On est donc la toute première unité spécialisée de la PNH. Vous comprenez donc l'intensité de notre fierté et notre motivation sans borne à donner le meilleur de nous-mêmes pour maintenir ou rétablir l'ordre le cas échéant. Bref, garantir un climat calme de manière à ce que tous les citoyens puissent vaquer tranquillement à ses occupations, notre leitmotiv. Se donner corps et âme,
imprégné de la devise « Protéger et servir » dans l'accomplissement de la mission de l'institution policière qui est d'assurer la sécurité des vies et des biens, de garantir l'ordre public, de protéger les institutions du pays, de rechercher des renseignements, protéger nos concitoyens de toutes sortes de menaces. Directeur général de la police là, salue courage agent Simoyo, Michel-Ange Léon, invité policier yo respecté droit moun, pendant le mandat yo travail avec professionnalisme. Agent du Simo, tout grade confondu. C'est donc avec une grande joie et une fierté bien légitime que je me joins à vous ce matin pour célébrer votre nouveau printemps. En tant que commandant d'unité, CM PAP, DDO, j'ai eu avec le corps d'intervention et de maintien de l'ordre des habitudes de travail que je ne suis pas prêt d'oublier. Elles me portent à voir en vous des professionnels de haut vol du maintien de l'ordre pour une gestion professionnelle des foules dans le respect des droits de la personne humaine. Depuis les 20 dernières années, l'agent du CIMO occupe une place privilégiée dans le quotidien d'une histoire événementielle faite souvent de tumultes et de confusions dont la rue en est souvent le théâtre. Vous êtes les héros anonymes de l'histoire de notre démocratie. Jamais vous ne devez vous baisser les bras, quelle que soit la conjoncture. Tenez ferme. 20 000 policiers dans tout pays d'ici 2022, c'est soit président Jovenel Moïse. Dans le budget 2018-2019, là, chef l'État promet en tête collée à gouvernement prend le travail pour améliorer les conditions de la vie policière. C'est avec un pile fierté, avec sentiment reconnaissance que les Parisiens viennent pour la police. N'a fêté 22e anniversaire Simo. M'a profité moment ça pour me saluer mémoire agent qui tombé pendant que t'as servi à protéger bien avec la vie population. Moi connais que problème yo en pile problème dans niveau la police là. Problème salaire, problème sécurité sociale, problème garantie famille, madame petite policier qui mourut. Mais tout problème qui est identifié, les résout à moitié. Nous travaillons au niveau gouvernement avec chef CSPN, premier ministre, là, directeur général police là. Pour nous capables, dans le budget 18-19, là, ouais, comment pour y des améliorations portées dans la condition de la vie policière. Simo célébré 22e anniversaire existence li vendredi 23 février 2018. Là, dans le cadre de la cérémonie, ça, commandant Simo a honoré des agents Simo qui ont 21 l'année depuis qu'il travaille pour la population en dans l'unité. Merci Daline ak Chéri. Réseau associatif national pour intégration moun handicapé RANIF dans tête collée avec plusieurs autres organisations qui défendent droit moun handicapé fait connait il y a continuer bataille pour permettre moun qui gen handicap physique joindre place dans société a Jean Convention mars 2009 là mandé ça. Dans occasion an, yo souhaité autorité concernée yo mettre accent sur éducation inclusive, yon façon pour ti moun handicapé yo ka gen accès à l'école ordinaire yo. Yon extrait dans micro Rodney Dorléa. L'île est temps pour l'État haïtien suspend considérer société civile là comme ennemi. Nous pas qu'à ennemi parce que là n'a parlé de droit pas gain baïti crasse m'apprend après que a parlé de état des droits, c'est droit pour tout le monde, pas bon que son petit droit pour mon handicapé, gros droit pour gros zouzou, nous pas là dans c'est rôle nous ça, nous même nous là pour nous faire plaidoyer pour respect convention pour que l'État pas faire affaire par l'ombre et puis il ratifie convention en bas et puis il a font l'autre bagaille. Nous bouquer avec question éducation et
spéciale. Convention amende éducation inclusive, éducation pour tout le monde. Sans ça, si l'État pas responsabilité pour le faire, n'a toujours gagné mon handicapé qui pas à l'école parce que yo pas jamais rive gen quoi vraiment pour parents yo foye à l'école. Dans l'actualité internationale, la grosse neige pas suspend tomber dans l'Europe là et spécialement capitale italienne Rome lundi 26 février 2018 là. Autorités ont déjà demandé l'armée à déblayer route yo. Nous invitons à suivre un reportage. Gros Freddy qui a frappé Europe là la cause capitale italienne Rome dans une situation difficile lundi 26 février 2018 là. C'est première fois neige tomber dans niveau ça depuis 26 l'année. L'école est obligée de fermer les portes et puis circulation machine censée paralyser. Tout près Saint-Pierre, plusieurs jeunes prêtres et séminaristes à bataille contre la neige. Autorité au bon côté par eux déjà mandé la mer à déblayer route. Dans l'aéroport, Fiumicino, celle qui est piste en service, il y a une grosse chute neige dans le centre et dans nos pays à tout. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, 400 000 habitants dans bidonville Damas, pays Syrie, si bien encore, il y a une attaque chimique à hier dimanche. Le docteur fait connaître une quinzaine de civils tout fait à cause d'attaque chloa. Une situation qui est difficile pour gagner la paix dans la zone Ghouta orientale. Nous invitons à suivre l'autre reportage. Plusieurs Syriens dans la zone Ghouta orientale, pays Syrie, toujours été attendus pour la paix établie après votre Conseil de sécurité des Nations Unies samedi 24 février 2018. Là. Sur l'observatoire syrien d'Ouamoun, 14 civils perdent la vie, parmi eux 3 timoun dans des frappes. Je suis contre la trêve. Moi, pas pour trêve là, moi pour y mettre un bout sans perdre temps dans sa capacité. La Ghouta orientale là. Moi contre trêve là parce que c'est l'opposition qui était décidée. Moi espérer la mais à mettre un bout dans sens ça, selon un témoin. Dans bidonville Damas, un docteur fait connaître une quinzaine de monde tout fait par rapport à l'attaque cloxa, un timoun perdu la ville. L'actualité sportive là, championnat national première division, Cosmopolite FC fait deuxième victoire dans la compétition. Hein? Côté li bat Real Hope du Cap Haïtien 2-1. Et puis à l'étranger, attaquant brésilien Paris Saint-Germain en Neymar a absent pendant toute semaine non? Après blessure li dans cheville dimanche qui saute passé à dans championnat de France face à Marseille. Voilà, j'en ai annoncé le 29e réunion conférence chef d'État gouvernement CARICOM yo lancé matin en Port-au-Prince. Secrétaire général président sortant avec nouveau président CARICOM nan qui était venu dans l'occasion. Plusieurs thématiques a abordé dans cadre sommet ça cap bout demain mardi. 14 délégations pays membres CARICOM yo a participé dans discussion ça yo cap chita sous environnement. Libre circulation moun bien ak service et puis sécurité dans région. Pourquoi elle est là n'a recevoir collaboratrice nous Sabine Jean qui va ban nous plus détails sur lancement officiel sommet qui déroulé matin dans hôtel Marriott. Est-ce que après lancement tout bagaille fini ou soit une discussion qu'a fait? Bonsoir Sabine. Bonjour Rachel, bonjour on l'autre fois encore à toutes auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision Nationale d'Haïti. Alors justement, jeudi à Haïti, a recevoir 29e réunion intersessionnelle chef d'État à gouvernement et communauté Caraïbes. CARICOM. Donc et puisque c'est Haïti qui route là, c'est président républicain tout. Qui a présidé CARICOM à l'ESA pour 6 mois, eh bien, la CAI nous recevoir et gros événement ça. Jeudi, et nous te suivons sous l'écran nous, qui j'en ouverture la te fête, nous te suivons et différents discours, yo, différentes interventions. Yo. Alors, et nous connaissons et qui ça te dit, mais nous prenons le reportage. Entre temps, et question, c'est qui ça allié, Rachel Mandé, est-ce que, et comment journée a passé? Actuellement, dans le moment où on a parlé là, c'est séance plénière qui a fait. Séance plénière qui a fait dans l'hôtel Marriott, côté et cérémonie ça a été lancé. Il y a 14 pays membres qui là avec Haïti, plus 3 pays associés. On a parlé de l'île Caïman, on a parlé de Montserrat, on a parlé de l'île Turks & Caicos, qui sont même tout présents dans l'activité ça, ils sont en bas, ils sont réunis en atelier. Côté, on va débattre d'une série de thèmes. Thème qui est important, thème qui point central activité ça, c'est prime de risque qui t'a dû augmenter et dans petit pays qui dans Caraïbes face à catastrophe naturelle. Qui donc les catastrophes naturelles, normalement il y a un fonds qui est disponible pour pays ça répondre
non premier temps à catastrophe naturelle là besoin qui vient gagner après yo ensuite pour l'autre pays dans communauté internationale là venir en aide à pays ça yo mais président république là estimé France a été trop faible bien action qui plus concrète qui doit faite pour pays ça yo capable répondre à catastrophe naturelle yo bien sûr conséquence réchauffement climatique là c'est cyclone gros cyclone qu'on y a autrefois Haïti te kon gen yon a deux cyclones par an mais qu'on y a chiffre ça a passé à 17 jusqu'à 20 cyclones par an donc conséquences yo énorme et pendant 10 dernières années ça yo Haïti connaît des conséquences après catastrophe naturelle yo qui est évalué à près de 10 milliards de dollars américains donc son gros chiffre et ça méritait pour pays ça yo non seulement Haïti mais l'autre pays yo pour yo ta plus solidaire tant que président république l'a dit dans intervention jodi an yon façon pour capable répondre correctement a besoin ça ou bien avant communauté internationale vienne réagir. Donc ça c'est un point fort que tu as gagné pendant journée et c'est un point fort qu'a discuté dans moment n'a parlé là en séance plénière dans atelier travail et participants ont bien a fait actuellement dans moment n'a parlé là. Gien l'autre point tout, gien question touriste là qu'a parlé, gien question sécurité spécialement lutte contre terrorisme dans région. Tout ça a discuté et gien question single market là tout, intégration effective Haïti dans marché commun Caraïbes là. Libre circulation monnaie cap parler plus ligne aérienne plus bateau échange qui pour faire entre Haïti et l'autre pays ça c'est autant de points cap discuter non bon on a parlé là dans séance plénière yo mais nous capable fort vivre ça qui fait essentiel et ouverture officielle 29e conférence intersessionnelle CARICOM nan jodi a nan Mario nous invitons suivre comment ça paye 14 délégations qui représentaient différents membres de la communauté Caraïbes là et 3 pays membres associés ont participé dans 2 journées rencontres au niveau ça. Point fort cap dégagé dans 29e rencontre intersessionnelle chef d'État gouvernement CARICOM centré sur désastre naturel, sur moyen pour augmenter prime assurance qu'a joindre pays dans Caraïbes les frappés en bas catastrophe naturelle, changement climatique, yo pral débat tout sur question sécurité dans région, développement touristique. Et puis yon nan gros mosso pour Haïti, c'est une large connexion entre pays mambio. Ça veut dire ouverture au soir moyen pour permettre moun ki nan pays mambio faire aller venir sans problème dans pays sa yo et puis pour circulation bien yo fait sans problème tant que monnaie plus ligne aérienne ak bateau pour faciliter déplacement. Dans intervention le président républicain Jovenel Moïse présenté fragilité pays nan Caraïbes devant catastrophe naturelle. Ça qui d'après lui méritait une solidarité pi en forme, pi serré entre pays membres CARICOM yo pour appliquer un plan d'action efficace devant situation ça. L'une des options pour contrecarrer les conséquences néfastes de ces événements adverses est de mettre en place ou de renforcer les mécanismes existants de financement des risques de catastrophe. Ceux-ci permettront aux pays victimes d'accéder rapidement au lendemain même des catastrophes à des fonds de reconstruction grâce à des procédures abordables et efficaces au lieu d'être paralysés par l'attente d'une aide improbable qui, le plus souvent, est trop peu, bien trop tard et encore n'arrive jamais. L'un des instruments préconisés par la Banque mondiale serait de mettre en place un mécanisme de financement étendu, basé sur une stratégie qui permet de déployer rapidement un plan d'action fiable à même de s'adapter à l'évolution des menaces. Cette stratégie requiert, en outre, de la détermination régionale, un plan coordonné, un processus décisionnel rapide et enfin un fonds de réserve pour lancer les premiers travaux de reconstruction. Par ailleurs, il existe une gamme d'instruments destinés à protéger les finances publiques, notamment les fonds de prévoyance, les lignes de crédit préventif, les assurances à responsabilité civile ou bien publique. Les obligations catastrophes et l'assurance paramétrique, pour ne citer que cela. Il est grand temps pour nous, leaders régionaux, d'entamer la réflexion sur un véritable système répondant aux besoins des pays victimes des catastrophes naturelles.
La recapitalisation du Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, CCRF, peut être aussi l'une des options à diminuer. C'est dans cette optique que j'ai pris l'initiative d'organiser dans les prochains mois une conférence internationale sur le renforcement des mécanismes de résilience aux effets du changement climatique et de la gestion des catastrophes naturelles de la Caraïbe. Ce sera l'occasion pour les États, partenaires et acteurs du développement international, d'échanger des idées et de faire des propositions sur les meilleurs dispositifs de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles. Sans votre pleine et entière participation, cette conférence ne tiendra pas le succès de son but. N'a pas rappelé, Haïti intégré CARICOM dans l'année 2002. Depuis ça, Haïti était un pays membre important parmi 15 pays dans Caraïbes là qui en dans structure ça. Et ça fait deuxième fois Haïti a présidé l'Assemblée CARICOM. Première fois, c'était dans l'année 2013 sous présidence Michel Martelly. Président public là, Jovenel Moïse qui dégaine un clip pour le ministre Jacques Guy Lafontaine, nouvelle circulation à passagers dans route sortie du Cap pour éviter l'abattis. Sous initiative Fédération Nationale Magistrat d'Haïti, représentant diverses administrations communales dans le pays, a participé vendredi 23 février à une rencontre dans Pétionville. La résolution a adopté, magistrat a demandé au gouvernement pour faciliter les communes bénéficier des fonds communaux. À l'étranger, 400 000 habitants dans bidonville Damas, pays Syrie, si bien encore une attaque chiou à dimanche. Le docteur fait connaître une quinzaine de civils touffés à cause d'attaque Chloa, une situation qui est difficile pour gagner la paix dans la zone d'Outa orientale. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Nous disons merci à tout le monde qui t'a suivi le journal. Nous invitons à être branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. On va souhaiter tout le monde passer une bonne semaine sur Télévision Nationale d'Haïti.